Aujourd'hui, le mot spéculoos. Depuis peu, le spéculoos est inscrit au patrimoine culturel immatériel de la ville de Bruxelles. Comme la culture du chicon et les fricottes. Définition du Larousse, petit biscuit sec, très sucré. Ouais, c'est un peu court, hein. C'est mieux que ça, hein. Les connaisseurs le savent que c'est un biscuit à la cassonade et à la cannelle. La recette parle de poivre, de gingembre, de clous de girofle, de cardamone, de muscade. Attention, spéculoos s'écrit avec deux os et sans accent. En France, on ajoute un accent aigu. Mais ce n'est pas grave. Stupeur en Belgique. La marque Lotus veut appeler son spéculoos Biscoff. Bis pour biscuit et coff pour coffee. Ça ressemble à rien. En Belgique, on peut passer 500 jours sans gouvernement, tout le monde s'en fout. Mais changer le nom du spéculoos, oh, n'importe quoi. Imaginez le biscuit Bastogne qui change de nom. Bataille des Ardennes, coff. Et le biscuit Namur, capitale Wallonne, coff. N'importe quoi. Il faut résister. Résistance. Je suis spéculoos. Achetez vos spéculoos chez des artisans qui le fabriquent à l'ancienne, avec des moules en bois. Des moules en bois, des moules, c'est pas des moules. Résistance. Je suis spéculoos. Donc c'est bon, ça? Donc c'est bon.